Bonjour, bonjour Twitch, bonjour Dieu, j'espère que vous allez bien. Oui. Voilà, bonjour Cloud. Avant de repartir dans le jeu, juste une toute petite micro chose à dire. Alors pas de pré-stream aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps. Tout simplement. Pas de pré-stream aujourd'hui, juste une petite chose que je voulais vous dire concernant la chaîne. Voilà, on va se remettre là. Concernant la chaîne, juste un tout petit changement sur la chaîne principale, donc Casual Boomer. Je vais de nouveau remettre des vidéos que j'aurais préparées. Il y aura de nouveau, je vais recommencer à faire des vidéos Lego un petit peu à droite à gauche. J'en ai parlé dans l'espace communauté de la chaîne YouTube. Je suis pas sûr que grand monde l'ait vu, donc je répète un petit peu ce que j'avais dit dans ce que j'avais écrit. La chaîne principale, donc Casual Boomer, va me resservir à remettre des vidéos que j'aurais préparées, un petit peu comme la vidéo du Zaku, le Zaku 1 que j'ai fait en vidéo. Il y aura d'autres vidéos comme ça de gros robots japonais parce que j'adore ça, tout simplement. Il y aura des vidéos de Lego, les vidéos Lego vont revenir petit à petit. Après, comme je le disais aussi le post que j'ai écrit, ce sera des petits sets Lego, à savoir des Speed Champions, des casques Star Wars, comme ceux qui sont là par exemple. Et les briquettes de Star Wars qui sont, on les voit pas, mais elles sont juste derrière moi. Parce que ça reste des sets que je peux encore m'offrir, tout simplement, déjà, premièrement. Et deuxièmement, parce que c'est des sets, je suis sûr de pas être déçu avec ceux-là. Donc voilà. Je sais pas ce que ça en a en France, je sais pas ce que ça en Europe, mais le prix des Lego au Canada est devenu infernal. C'est. Une fois les taxes incluses, un gros set, on dépasse les 1000$. Donc. Non, je peux plus. Là, c'est les gros sets Lego. J'adorerais. Hein. J'aurais adoré continuer à vous faire des techniques. J'aurais adoré faire la grue. J'aurais adoré faire la nouvelle Formule 1. J'ai été extrêmement déçu par la première Formule 1 technique. La deuxième, par contre, alors déjà, je la trouve magnifique. C'est l'écurie que je préfère en termes de couleurs Mercedes. Je trouve les couleurs absolument magnifiques. Mais le problème, c'est que financièrement, La Formule 1 au Canada, avec les taxes, elle sort à plus de 350$. Donc non, c'est devenu totalement débile, déraisonnable. Donc des petits sets à pas cher, en plus, ils sont régulièrement en promo, donc ceux-là, il y en aura. Mais les gros sets techniques ou les gros sets Star Wars, malheureusement, bah, vous n'en verrez plus parce que déjà, c'est pas que je cautionne pas, ils font ce qu'ils veulent, mais les prix sont devenus débiles. Et puis quand on voit la baisse de qualité de certains sets, je suis désolé, je suis toujours resté là-dessus parce que je l'ai toujours en travers plus d'un an après. Et la Ferrari quoi, la Ferrari c'est une catastrophe. La Ferrari ça fait un an qu'elle est entourée dans du cellophane pour pas prendre la poussière. Et en plus j'ai aucune envie de m'y remettre, mais aucune envie. Je vais prendre un plaisir monstrueux à passer entre 30 minutes et une heure, on va dire, dépendamment de ce que je fais à côté. Je vais préférer prendre une demi-heure de pur plaisir à monter une petite Speed Champions, parce qu'elles sont très sympas à faire, le rendu final est incroyable pour le nombre de pièces et la taille, plutôt que de me faire chier à acheter un gros set, passer des heures, voir que ça fonctionne pas. Non, ça je peux pas. J'ai dit que je finirais la Ferrari en vidéo, je la finirai un jour, mais je sais toujours pas quand. Bref, je m'égare un petit peu à la base. Donc tout ça pour vous dire que sur la chaîne principale, donc celle où je posterai cette vidéo, Casual Boomer, il y aura de nouveau des vidéos travaillées, si je peux dire, des vidéos avec du montage, pas seulement des rediffusions de jeux vidéo. D'ailleurs, il n'y aura plus de rediffusion de jeux vidéo. La chaîne principale me servira uniquement à faire les vidéos de Lego, les vidéos de Gunpla, parce que je compte faire du Gunpla aussi en vidéo, les présentations de gros robots comme celles que j'ai pu faire avec le Zaku 1. Il y aura des vidéos comme ça. Je ne sais pas tous les combien de temps, parce que, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire en live, j'ai un emploi du temps qui est un peu merdique en ce moment. Ça reviendra au compte-goutte. Là, il y en a eu une sur le Zaku 1. J'ai très envie de faire la même chose avec le Gundam Aerial parce qu'à la base la vidéo du Zaku 1 c'était plus une pas une private joke, mais je voulais faire cette vidéo pour remercier donc ma conjointe, ma soeur et mon beau-frère parce que c'est eux qui me l'ont offert, donc je trouvais ça rigolo d'en faire une vidéo. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup cet exercice là, j'ai trouvé ça très sympa à faire, le montage vidéo, essayer de faire des petits trucs rigolos, c'est pas parfait. Il y a plein de trucs qui vont pas dans cette vidéo-là, mais justement, ça m'a permis de tester des trucs. Et bah, j'ai encore envie de tester d'autres trucs, donc bah, il y aura d'autres vidéos de gros robots. Concernant les rediffusions de jeux vidéo, comme je le disais, elles ne seront plus diffusées sur cette chaîne-là. Elles seront diffusées sur la chaîne secondaire, Casual Boomer TV. C'est pas très compliqué. Je vous mettrai tous les liens en description, de toute façon. Cette chaîne-là, de toute façon, pas besoin d'avoir le lien parce que vous êtes dessus. Je vous mettrai tous les liens, les réseaux sociaux, y compris la chaîne secondaire.
C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'avais autre chose à vous dire, mais je l'ai perdu. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. YouTube, je vous fais un bisou. Je vous dis soit à bientôt sur la chaîne secondaire pour la rediffusion où on va continuer à jouer à Final Fantasy VII Rebirth. Je m'en mêle les pinceaux à force. Soit à bientôt dans la prochaine vidéo sur cette chaîne, mais je ne sais pas quand. Très certainement sur le Gundam Aerial. Mais j'en suis pas sûr non plus parce que j'ai deux idées en tête. J'hésite entre le Gundam Aerial et autre chose. Abonnez-vous, hein, voilà, abonnez-vous si vous voulez voir la suite, tout simplement. Des bisous, à bientôt.